Alexandre Arekia, qui il y a deux ans faisait partie de l'équipe championne du monde, ne combattait que dans la catégorie équipe, a fait une saison vraiment assez extraordinaire. Elle sort des championnats d'Europe, elle a fait troisième et aujourd'hui a déjà démontré ses valeurs de combattante, de guerrière. Elle arrive de La Réunion, Lucie, c'est une toute jeune combattante, elle fait partie des plus jeunes du collectif, elle a 19 ans. Elle a fait médaille de bronze au dernier championnat d'Europe, c'était son premier championnat d'Europe senior. C'est une très bonne combattante, elle est très complète. Dans la catégorie supérieure, moins de 61 kg, Lolita Donna. Lolita fait partie de nos championnes d'Europe en titre dans cette catégorie. Elle est aussi championne du monde. Elle fait partie de l'équipe à Belgrade qui a été championne du monde par équipe. Catégorie supérieure, Tiffany Fanjar, moins de 68 kg. Eh bien, Tiffany était championne du monde en 2008 au Japon. Elle a donc été championne du monde en équipe à Belgrade. Elle fait partie des plus expérimentées puisqu'elle est âgée de 29 ans. Elle a plus de 68 kg. Nadège Haït Ibrahim, récemment en médaille de bronze au dernier championnat d'Europe en 2012. Elle a été aussi vice-championne du monde en individuel il y a donc 2 ans à Belgrade. C'est une combattante qui est toujours présente sur les podiums internationaux. Le plus léger des garçons est Johan Lopez, actuellement vice-champion d'Europe. À Zurich, il l'a été. Je pense que Johan est un bel élément et le meilleur français dans cette catégorie de poids actuellement. Moins de 67 kilos, présent ici, William Roll, champion d'Europe en titre dans cette catégorie. Titre après lequel il courait depuis quelques années et il l'a décroché. Moins de 75 kilos, David Donna, donc le mari de Lolita. Il a fait une préparation à part. Effectivement, il a battu les meilleurs combattants cette année. Le champion d'Europe en titre a déjà été battu par Davy. Moins de 84, Kenji Grillon, qui est ici présent. Que Kenji a vraiment les qualités, puisqu'il commence à avoir l'expérience. Et nous savons que dans cette catégorie des moins de 84, grâce à sa vitesse et son coup d'œil, il peut surprendre beaucoup d'athlètes. Après les moins de 75, Nadir Benaïssa, qui était en concurrence jusqu'au dernier moment, jusqu'à l'Open d'Anaou avec Ibrahim Derry, qui est ici présent. Et donc, ayant gagné l'Open d'Allemagne, hein, c'était la fin du parcours de sélection, Nadir Benaïssa a aussi gagné sa sélection dans les plus de 84 kilos. L'équipe de France Kata, en individuel, représentée par Sandy Scordo, vice-championne d'Europe individuelle à Tenerife, elle a fait une très grosse préparation. Elle sait qu'elle est capable d'aller au plus haut dans sa finale à Bercy. En individuel homme, Mindak, qui a donc été 9 fois médaillé dans les plus grands championnats internationaux. C'est le meilleur élément français actuellement. Il a à cœur de finir et de partir par la grande porte, puisque ça sera très certainement sa dernière compétition internationale. L'équipe de France Kata, cette fois-ci par équipe, les trois par équipe. Clotilde Boulanger, Sonia Fiusa, toutes deux déjà vice-championnes du monde en 2008. Et Jessica Hugues qui les a rejoints, qui est la plus jeune de cette équipe-là et qui a été championne du monde junior. Pour finir, la sélection Kata Homme, donc par équipe, qui est composée de Romain Lacoste et Jonathan Marwani. Et le troisième donc collègue, on va dire, cette équipe-là est Jonathan Plagnol.